Sarah Ferguson s'est confiée sur sa relation avec le prince Philippe et une chose est sûre, elle ne garde pas que de bons souvenirs. Celle a indiqué que son beau-père était terrifiant pendant de longues années. Sarah Ferguson et le prince Andrew se sont aimés. De leur amour sont nées deux filles, Béatrice Diorc et Eugénie Diorc. Et même s'ils se sont séparés, Sarah Ferguson est toujours aux côtés de son ex-mari, que ce soit pour les obsèques de la reine Elisabeth II ou pour le soutenir face à ses déboires judiciaires. Et si la duchesse Diorc entretenait de très bonnes relations avec sa belle-mère, avec le prince Philippe ce n'était pas du tout la même chose. Invitée dans le podcast Life Savage, Sarah Ferguson s'est confiée sur ses relations avec son beau-père. Et ses révélations sont assez étonnantes. En effet, elle affirme que le prince Philippe la terrifiait. Il était très sage. Vous deviez être la meilleure version de vous-même. Si vous sortiez une remarque stupide, il vous le disait clairement. Terrifiant. S'il était dur avec elle, au début de sa relation avec le prince Andrew, le prince Philippe avait pris l'habitude de l'ignorer. C'était ridicule. Aussitôt que je passais une porte, il se précipitait sur une autre manquant se prendre les pieds dans les corgis. C'était très drôle. Sauf qu'en réalité ça ne l'était pas. Le prince Philippe avait préféré l'ignorer. Il faut dire que le mari d'Elisabeth II avait eu du mal à supporter les frasques de sa belle-fille. En 1990, il découvre avec horreur l'infidélité de Sarah Ferguson. Ainsi, il prendra la décision de la chasser de Balmoral. On en a eu assez, s'agaçait-il quand on l'interrogeait à son sujet, explique son biographe Gilles Brandrette dans le Daily Mail. S'il assurait ne nourrir aucune rancune à son égard, le prince Philippe ne souhaitait plus parler à Sarah Ferguson, qu'il trouvait à pâlir d'effroi. Une situation difficile à vivre pour la principale concernée qui n'a tout de même pas abandonné son ex-mari et ses deux filles.